Oh, mais c'est génial, là. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, hein. On est vraiment privilégié de pouvoir découvrir Rocamadour comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ouais. Dans cette nacelle, Sandra Poignon participe aux Montgolfiades, un rassemblement de ballons qui a lieu une fois par an au-dessus de Rocamadour. C'est la première fois que je découvre le site en montgolfière et c'est émouvant parce que ça permet de bien comprendre en fait comment le village se développe contre le rocher. Originaire de la région, Sandra est chargée de faire connaître le patrimoine de ce pays d'art et d'histoire. Rocamadour se compose de trois parties, le village avec les maisons, les sanctuaires, donc les églises, et ensuite le château sur le plateau. Les constructions les plus anciennes de Rocamadour datent du Moyen Âge. Mais l'occupation de ces falaises remonte aux origines de l'homme. Le site s'est construit au fil des siècles. Vraisemblablement, dès l'époque préhistorique, en fait, il y avait sans doute un habitat. Et ensuite, il faut attendre la période médiévale pour qu'un petit oratoire à la Vierge soit créé sous le rocher. À cet endroit, au XIIe siècle, on découvre les reliques que l'Église reconnaît comme celles de Saint Amadour, et c'est lui qui va donner son nom à la cité. C'est aussi à cette époque que plusieurs miracles sont attribués à la Vierge de Rocamadour. Donc à partir de là, on va construire des chapelles, les sanctuaires, et petit à petit, ensuite, les pèlerins afflueront dans la ville. Rocamadour devient, à cette époque, un des plus importants lieux de pèlerinage de toute la chrétienté. Pour accueillir tous ces pèlerins, la grande basilique Saint-Sauveur est édifiée dès le XIIe siècle. De ce point de vue privilégié, on voit très bien le palais des évêques. J'avais besoin de protéger le site des attaques, des pillards. Vu qu'il attirait énormément de pèlerins, donc le site abritait des grandes richesses. Hein. Le ballon de Sandra prend de l'altitude. Il atteint maintenant le haut de la cité. Au bord de la falaise, on voit le château qui a été reconstruit au 19e à la place d'un château médiéval qui défendait le sanctuaire. Rocamadour, c'est vraiment une pépite du pays d'art et d'histoire. Et on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ce site parce qu'au niveau patrimonial, il est extrêmement riche, au niveau historique aussi. Donc c'est une grande chance. Le vent d'ouest pousse à présent la flotte des montgolfières qui survole le plateau des Causses du Quercy. Jean-Pierre Salgue, le pilote de Sandra, est l'un des organisateurs des montgolfiades. On voit qu'on a de jolies brumes là, au fond des vallées là, qui commencent à sortir de la vallée de la Dordogne et de Louis, qui est juste un peu en dessous de nous. Là. C'est un point de vue encore complètement différent. C'est splendide, ouais. Vraiment splendide. Là. On surplombe en fait le canyon de l'Alzou. Donc l'Alzou, c'est une petite rivière qui le plus souvent en fait ne coule pas, la particularité de ne pas couler, ou elle coule en fait mais de manière souterraine. Le Causse, donc le plateau calcaire qui est affleurant, ressort de part et d'autre par strate ou par plaque, en fait. Le Causse, ça n'a jamais été un endroit très riche, mais effectivement, en fait, c'est l'endroit sur lequel on peut développer un peu d'élevage. La végétation est rase, il y a peu d'eau, donc on peut faire de l'élevage de brebis, en général d'agneaux. Les montgolfières prennent maintenant la direction de la vallée de la Dordogne.
Le ballon de Sandra arrive à proximité d'un des plus beaux villages du Périgord. Alors, on se trouve au-dessus de Loubressac. C'est un village médiéval qui s'est construit de manière assez imprenable au bord de la corniche, en surplomb, et il domine l'ensemble de la vallée. À l'époque, au XVIIIe siècle, un chroniqueur disait que depuis Loubressac, on avait la plus belle vue du royaume. En face de Loubressac, au fond de la vallée, apparaît un des châteaux les plus connus de la région. On découvre devant nous le château de Castelnau-Bretenoux. Donc c'est un château médiéval entouré d'une enceinte avec un plan triangulaire qui s'est fondé autour du XIIe siècle. Ce qui est remarquable, en fait, c'est que le château il est construit sur une butte avec le logis qu'on voit juste en face de nous. Donc la tour maîtresse, la tour carrée, qui date du XIIIe siècle. C'est une des deux parties les plus anciennes du château, avec la partie résidentielle, donc qu'on appelle la hola, qui était la pièce d'habitation du seigneur à l'époque médiévale. La matinée est maintenant bien avancée. Le vent est en train de tomber. Jean-Pierre doit faire atterrir la montgolfière. T'assieds à tes doigts. Je te mets comme ça. En douceur, l'atterrissage. Génial. C'est grand luxe, ça. Voilà, tu peux sortir. Merci beaucoup. Merci à toi. Le lendemain matin, Sandra est de retour à Rocamadour. Elle a rendez-vous au sommet de la falaise, au château. C'est là qu'autrefois habitaient les religieux du sanctuaire. Le père Xavier Laribe l'a invité pour une visite privilégiée. Alors Sandra, là, je vais vous faire passer par un escalier fameux, l'escalier secret. C'est par là que nous descendons directement au sanctuaire. Vous allez voir, c'est vertigineux. Ah oui. C'est à la fois un raccourci et c'est en descendant un exercice physique, mais peut-être plus en montant encore. C'est un lieu où on peut continuer à méditer. On se sent, vous voyez, on se sent comme presque au ciel. Hein. Regardez la vue. On entend les gens en bas et là on est tout au-dessus. Regardez. Il a fallu creuser la falaise pour pouvoir continuer cet escalier secret. C'est impressionnant, hein ? Ouais, c'est incroyable. Hein. Grâce à ce passage creusé dans la falaise, il ne fallait que quelques minutes aux prêtres qui vivaient au château pour accéder au cœur du sanctuaire. Et là, on va à nouveau à l'air libre. Là, on ressent physiquement la notion d'étagement, en fait. On domine complètement le site. On a l'impression qu'on peut toucher le toit. Donc oui, c'est très émouvant. Ça casse l'aspect carte postale. Alors là, c'est la dernière petite partie à l'air libre. Vous allez voir, on va s'engouffrer dans la charpente de la basilique. Juste ici. Et voilà, nous entrons sous la charpente de la basilique. Les voûtes sont juste en dessous, là. Et grâce à ce passage, eh bien, les prêtres de l'époque arrivaient directement dans la sacristie, par là. Et là, une fois poussé cette porte, on arrive dans un tout autre décor. Regardez, on arrive dans la sacristie. C'est là où toutes les cérémonies sont préparées. Quand les cloches commencent à sonner, ça veut dire que l'office va bientôt commencer. Et si on ne s'est pas réveillé, bien, tranquillement, on peut descendre en pyjama et ni vu ni connu, entrer dans le cœur sans que ça paraisse. Comme chaque matin,
le père Xavier descend jusqu'au palais des évêques pour ouvrir les portes qui gardent l'entrée du site. Alors, tous les manuels parlent de 216 marches que les pèlerins montaient à genoux en récitant un « Je vous salue Marie » à chaque marche. Mais en fait, je les ai recomptés, mais il y en a plus que ça, hein, 251. L'escalier débouche sur le parvis. Tout autour s'organisent les 8 chapelles qui composent le sanctuaire, rebâti au 19e siècle. Il a été restauré dans le goût un peu roman ou gothique, en reprenant en fait les restaurations précédentes hein, du 15e siècle. Et au final, ça ne dénature pas l'ensemble en fait. Avec son clocher de zinc, la chapelle Notre-Dame, blottie contre le rocher, est le cœur de la spiritualité à Rocamadour. Allez-y, ça va. Merci. Bien sûr que l'endroit le plus extraordinaire, c'est la chapelle de Notre-Dame. C'est là où des pèlerins par millions, depuis des siècles, sont venus faire des demandes à la Vierge Marie, des demandes toutes simples. La Vierge va être vraiment l'élément majeur autour duquel tout le pèlerinage, mais aussi les sanctuaires, vont s'organiser. Donc elle va faire des miracles. Et ensuite, c'est vraiment des abbés de génie qui vont construire les lieux autour de cette statue de la Vierge et des miracles qu'elle a fait pour organiser tout le pèlerinage. Aujourd'hui encore, le pèlerinage attire ici tous les ans des milliers de fidèles. Ce rituel est très impressionnant. Une fois, j'ai eu comme le vertige de savoir que depuis des siècles et des siècles, bien des pèlerins venaient là et que, de façon ininterrompue, il y avait des chapelains et je faisais partie de cette cohorte à travers le temps. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ranger, vous voyez, les cierges qui ont déjà brûlé, puis remettre un peu d'or. Les uns à côté des autres, voilà. Ça me détend. À proximité se trouve la chapelle qui domine le parvis. En général, elle est fermée. Le père Xavier nous ouvre exceptionnellement ses portes. Saint-Michel était la chapelle privée des moines bénédictins qui construisirent le sanctuaire au XIIe siècle. Là, nous sommes arrivés dans une chapelle tout à fait particulière. Vous voyez comment elle a été vraiment construite à même la roche de la falaise. On est au cœur des sanctuaires. C'est tout petit, abrité par le rocher. Et on voit le Christ avec un jugement dernier, entouré des 4 évangélistes et puis de Saint-Michel qui pèse les âmes sur cette peinture murale. C'est des lieux extrêmement authentiques, très, très préservés. C'est un privilège hein, de pouvoir être sur ce lieu en dehors des axes de passage assez retirés. On éprouve ou on arrive à imaginer peut-être ce que pouvaient vivre les moines au XIIIe siècle quand ils venaient ici. Alors là, c'est un accès privé. Cette visite exceptionnelle se poursuit par un chemin creusé dans la falaise. Pour aller à la maison Marie, c'est l'unique façon de pénétrer dans cette maison, qui est un peu comme un presbytère. Faut le faire, hein? Ah oui. Avoir construit un chemin pareil. Le passage mène à l'un des édifices les plus étonnants du site, la maison à Marie. Bâtie contre le rocher, c'est la résidence actuelle des prêtres du sanctuaire. Sandra, venez voir cette chambre qui est un peu la chambre VIP de la maison à Marie. C'est une chambre où on accueille des gens de passage, et entre autres le nonce apostolique de Paris qui en rêve la nuit parce que... allez voir la douche, hein, vous verrez et vous comprendrez. Ah oui, effectivement, je comprends. Ouais, il y a une très très belle vue. Hein. Elle est incroyable parce qu'en fait, elle est complètement construite sur le rocher, imbriqué dans la roche. Ouais, c'est incroyable, une des plus belles douches que j'ai vues.
Sandra quitte maintenant Rocamadour et prend la route du plateau. Elle traverse un paysage typique des causses du Quercy. Des parcelles de landes séparées par de longs murs de pierre. Les murs en pierre sèche sont complètement caractéristiques des Causses, en fait, parce qu'ils ils délimitent les parcelles agricoles. Et en fait, ils sont construits sans mortier, en amassant des petits blocs de pierre calcaire. La plupart de ces enclos sont aujourd'hui des pâturages à moutons. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, la lavande était une activité indissociable du Quercy. On produisait ici 20% de l'essence de lavande pour la parfumerie française. Mais avec l'apparition des arômes de synthèse dans les années 60, la demande s'écroule et les producteurs du Lot abandonnent cette culture. Aujourd'hui, la lavande fait son retour sur les causses du Quercy. Sur la commune de Rocamadour, Sandra rend visite à de jeunes agriculteurs qui la cultivent à nouveau. Donc, on va avoir Rachel et Jean-Marc Souleyres, donc qui ont relancé une distillerie et une exploitation de lavande. Nous sommes en juillet. Dans les champs, les fleurs sont à maturité. On a démarré aujourd'hui. On observe en fait l'état de la fleur, à quel stade elle en est. Tu vois, par exemple, une fleur comme ça, elle commence d'être fanée, et puis il y a une partie qui est encore en fleur. On estime, voilà, trois quarts fanée. D'accord. C'est pas mal. D'accord. Et puis on observe aussi des abeilles. C'est elles qui vont nous dire à quel moment il faut commencer. Quand il n'y a plus d'abeilles, tu peux y aller. C'est ça. Alors il en reste encore un petit peu, mais elle commence à partir. Tu vois, là, il n'y en a plus. D'accord. Donc c'est le bon moment. Rachel et son mari Jean-Marc sont parmi les premiers à refaire de la lavande dans la région. Peu à peu, ils étendent leur plantation. Donc ça, c'est une parcelle qui a été plantée il y a 3 ans. Donc là, voilà, la plante commence à arriver à un beau stade de développement parce qu'on parle de la 3e, 4e année pour avoir une production de croisière, en fait. Hein. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à bien donner. Alors là, on est sur une espèce qu'on appelle la maillette. C'est une espèce qui est très courante et qu'on trouve également en Provence. D'ailleurs, nos plants viennent de Provence. Nous, on a choisi celle-là parce qu'on savait qu'elle se plairait bien ici et puis qu'elle avait un bon rendement en huile essentielle. Donc on est parti sur cette variété de maillette. C'est magnifique et puis c'est intéressant de voir revivre cette culture. Elle est faite pour pousser sur le Causse. Ça se pratiquait il y a des années et des années. Donc c'est très émouvant de voir revivre ça. Après la coupe, les bottes sont ramassées à la main. L'engouement pour les plantes et les huiles essentielles est indéniable. On se tourne à nouveau vers les plantes, puis on revient vers des choses plus naturelles. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas produire nous-mêmes nos huiles essentielles. C'est vraiment un plaisir, oui. C'est une production c'est noble, il y a une alchimie. Il y a une alchimie, on part d'une fleur, on va aboutir à une huile essentielle. Une fois distillée, c'est un côté magique. Voilà, c'est un côté magique. Jean-Marc et Rachel ont ouvert une boutique à la ferme pour vendre leurs produits. Dans ce champ, ils cultivent une autre variété de lavande destinée à faire des bouquets. Donc tu prends une poignée, voilà, et puis tu prends ta faucille et tu tires vers toi comme ça. Voilà. D'accord, alors j'essaie. On essaye de qu'il y ait les tiges, que les tiges soient assez grandes. Alors on nous avait proposé des plants de lavande bleue. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa d'avoir une petite parcelle pour faire que des bouquets et puis que les gens puissent repartir avec un petit souvenir de l'été, cette lavande voilà, qui va garder des couleurs superbes tout l'hiver, même en séchant. Ça sent bon, c'est beau à regarder, de pouvoir faire revivre ça, je trouve que c'est vraiment une belle démarche. Dans leur champ de lavande, Jean-Marc et Rachel n'utilisent pas de pesticides ni d'engrais chimiques. On s'est dit, c'est vrai que c'est pas la peine de faire des huiles essentielles pour se soigner par les plantes. Si c'est pour retrouver dans l'huile essentielle
des produits qu'on n'a pas forcément envie de trouver quand on fait ce choix de soins. Ça allait de soi qu'on parte en agriculture biologique. À la fin de la journée, les bottes de lavande récoltées à la faucheuse sont distillées dans cette grande cuve. Jean-Marc et sa sœur finissent d'y entasser 700 kilos de fleurs. On va envoyer de la vapeur qui va traverser toute la lavande. Cette vapeur elle va se charger en particules aromatiques. Et ensuite, ça va se passer bien en dessous. On va aller voir. La vapeur d'eau est recueillie sous la cuve. Elle est refroidie puis décantée pour séparer l'huile essentielle de couleur jaune de l'eau distillée. C'est précieux, ouais, ouais, c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est plusieurs années voilà, pour la plantation, pour la culture, le désherbage. Voilà, donc c'est notre deuxième distillation et on est très heureux quoi, de pouvoir commercialiser aujourd'hui cette huile essentielle du Quercy après des années de disparition. Nous quittons le Lot pour prendre la direction du Périgord et de la vallée de la Vézère. Au-dessus du cours d'eau, les falaises qui dominent le paysage laissent apparaître de nombreuses grottes et abris sous roches. Une extraordinaire concentration des plus anciens vestiges de l'habitat humain. C'est ici, en surplomb du village des Ezis de Taillac, que sont découverts plusieurs squelettes d'hommes préhistoriques à la fin du 19e siècle. La brique Romagnon, dans lequel sont trouvés des ossements, donne alors son nom au premier homme moderne. Une découverte qui participe à l'essor de la science de la préhistoire et fait de la Vézère un des berceaux de la civilisation européenne. Aujourd'hui, deux hommes se battent pour faire classer cette vallée grand site de France. Eh bien, on est parti. À bord de cet hélicoptère, Philippe Lagarde, le maire des Ezis, et Jean-Max Touron, son pilote, décollent pour une mission de reconnaissance. À chaque saison, les couleurs changent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de chênes verts sur les massifs. Donc on a du vert à toutes les saisons. Et puis en même temps, on a des panels de couleurs selon les cultures. Et puis après, on arrive sur du relief. Il y a une grande diversité. Les deux hommes tentent de repérer des abris cachés par la végétation qui empêchent de voir l'entrée des grottes. Là, on arrive au niveau de Paysac-le-Moustier, sur des sites qui sont déjà naturellement beaux. Et en plus, on devine tout de suite une occupation humaine parce qu'il y a des abris sous roche, parce qu'il y a la rivière en bas, parce qu'il y a toutes les raisons. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de vallée. On est tout de suite impressionné par la dimension et la taille des falaises. On est dans la plus grande concentration de gisements, de sites préhistoriques. Très très beau. Moi, j'ai beau être né ici, regarde, c'est je suis toujours ému. Ces magnifiques abris ici. Ouais, c'est extraordinaire. Philippe Lagarde et son ami Jean-Max Touron se passionnent depuis l'enfance pour l'histoire de leur vallée. On n'a encore pas tout découvert dans la vallée de la Vézère. Tous les 5 ans, 10 ans, on a des découvertes majeures de grottes, donc il y a encore beaucoup de choses à fouiller. Et quelquefois, avec une vue surplombante, comme c'est le cas, on peut avoir des entrées d'abris ou de grottes qui nous intéressent. Pour moi, c'est comme une chasse au trésor. Donc on a envie d'être celui qui vient marquer l'histoire parce qu'il a trouvé, comme les trois enfants de Lascaux, on parle encore d'eux avec respect. Et bon, ils ont fait ça par passion et nous, on est dans cette continuité-là. Jean-Max, le pilote, est aussi propriétaire de plusieurs sites qu'il ouvre au public. On
passant à 45 degrés au-dessus des falaises, on découvre énormément de grottes béantes sur le précipice. Tiens, voilà encore notre abri là. Oui, tout à fait. Là, ici, il y en a d'autres. Alors, quelquefois, elles ont une communication depuis là, le plateau. Regarde. Ah oui, là, il y a un très bel abri là. Ouais. Magnifique. Celui-là, tu vois, je ne l'ai jamais vu. Ouais. C'est la première fois que je le vois. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Ouais. Alors, c'est là que je soupçonne qu'il y ait quelque chose par là, tu vois. Là. Par là. Regarde bien à gauche. D'accord. Oui, mais en bas, tu as une grotte, là. Regarde les abris. Ah oui, là, il y a des grottes, là. Et là, moi, j'ai très envie qu'on aille jeter un coup d'œil. On ne va pas pouvoir y rentrer comme ça, parce que... Mais on peut essayer de se poser, s'il y a quelque chose. C'est au bout de cette ligne. D'accord, mais j'ai vu où tu m'as fait voir tout à l'heure. Aussitôt l'hélicoptère posé, les deux hommes cherchent un passage pour accéder à la grotte qu'ils viennent de repérer. On a des chances de pouvoir arriver jusqu'à ce qu'on a vu tout à l'heure. Une cavité qu'ils n'ont pas visitée depuis 20 ans. C'est elle. J'ai vu ça, voilà. Et j'ai vu la couleur au sol. Et le noir du trou. En s'enfonçant dans les entrailles de la falaise, les deux hommes revivent l'épopée des chercheurs du début du XXe siècle qui découvraient ces cavernes. Leurs travaux ont permis, dès cette époque, de découvrir le mode de vie des premiers habitants de la Vézère. Des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, venus se protéger sous la roche et surveiller les gibiers qui passaient dans la vallée en contrebas. Des artistes qui fabriquaient des outils et qui ornaient les parois de leurs grottes de nombreuses représentations animales. Quand j'étais petit, il y avait les spéléos d'autres régions, ils venaient, alors ils cherchaient des enfants du village, parce qu'en fait, ils me disaient, moi, fais-nous voir des trous. Donc je les amenais tous les trous que je connaissais. Moi, quelquefois, c'était des trous qui n'avaient aucun intérêt. Et donc, j'ai toujours l'impression de connaître très bien mon village, et les abords, et la vallée. Et puis chaque fois, on arrive sur des nouvelles ouvertures, et donc on a envie de voir plus loin. Alors peut-être que c'est pour rien, mais en tout cas, déjà, c'est beau. Donc rien qu'en soi, déjà, on est content d'être arrivé là. Et en même temps, si après, on peut avoir d'autres découvertes qui s'enchaînent derrière, on a envie toujours d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on s'en lasse jamais, en fait. Quelques instants plus tard, les deux hommes font une trouvaille inattendue. Ça, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle est couverte de gouttelettes d'eau. Jamais j'ai vu ça, moi. Nulle part. On a tous les deux des dizaines d'années d'expérience dans les grottes. Et on vient aujourd'hui, on trouve quelque chose. On ne sait absolument pas dire ce que c'est et pourquoi ça a cet aspect. Je ne sais pas. Alors là, vraiment, c'est un bijou. C'est une broche posée là, sur l'argile. Ouais, très fragile. Qu'est-ce qu'elle fout là? Une pureté incroyable. Pourquoi elle est là? Et qu'est-ce que c'est? Voilà. Renseignement pris, cette découverte se révélera être un myxomycète, un champignon assez rare, dont la structure intrigue encore les chercheurs. Un peu plus tard, Philippe Lagarde nous guide de l'autre côté du village des Aisies à la découverte d'un des abris sous roche les plus spectaculaires de la vallée. On arrive sur une corniche qui surplombe l'entrée du grand abri, ce grand abri de gorge en fer qui est un des plus grands abris d'Europe. Et donc on est sur un promontoire au-dessus d'une plateforme rocheuse avec une grotte naturelle qui arrive au fond de l'abri. Il fait à peu près 1000 m² couverts et qui a sûrement un lien avec l'occupation humaine depuis le Paléolithique. C'est très drôle parce que moi, j'y viens depuis que je suis tout petit et tout gamin. Et quand j'arrive là, je m'attends toujours à trouver des préhistoriques qui sont là parce qu'en fait, c'est tellement imprégné d'histoire, ça nous écrase. Quelque part, leur esprit est là.
Les gens des Aisy et de la vallée de la Vézère ont conscience d'être des gardiens d'un patrimoine. Et quand on parle de patrimoine de l'humanité, ce n'est pas une invention de l'esprit, mais c'est vraiment une prise de conscience générale. Et je l'ai toujours perçu comme ça. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est gardien d'un temple, quelque part, et donc garant d'un patrimoine de l'humanité. Plus loin, au pied de la falaise, une opération d'envergure a commencé. Pour la première fois, Philippe a mobilisé les habitants des Aisy pour faire réapparaître l'entrée des abris préhistoriques. Une étape indispensable pour que la Vézère soit labellisée « Vallée de l'Homme » par les grands sites de France. Les bénévoles s'approprient leur patrimoine et leur paysage aussi. C'est pas que ma vision en tant qu'animateur, c'est aussi la leur. Donc, ils sont contents de le faire, quoi. Et moi, ça me fait plaisir de les voir travailler avec le sourire. Il faut qu'on puisse voir en fait, l'entrée de la grotte. Donc on a un premier bouquet d'arbres qui est sur cette terrasse en contrebas. Et ce deuxième bouquet d'arbres là qui est devant. Et ensuite, parallèlement, les spéléos vont dégager la ligne de crête. Puisqu'il y a les arbres qui basculent, qui masquent le haut de la falaise. En fait. À la fin de cette première journée de travail, les bénévoles sont parvenus à dégager entièrement cette terrasse. C'est ce que j'imaginais, mais en mieux. Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu comme ça. Et donc là, pour le coup, on finit par perdre la mémoire du lieu. C'est-à-dire que quand on est devant, on voit bien qu'il y a l'abri. La terrasse est beaucoup plus large que ce que j'imaginais. Puis on voit le résultat, en plus, c'est spectaculaire. C'est-à-dire que ça va très vite. Et en fait, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Le débroussaillage permet aussi à la lumière de pénétrer dans la cavité. En fait, le mot grotte est impropre parce que c'est un abri sous roche, c'est-à-dire une dépression creusée par la mer il y a quelques millions d'années. On a du mal à imaginer qu'on était sous les océans à l'époque. Et donc, quand la mer s'est retirée, elle ne s'est pas retirée en un jour. Et donc, elle a créé des dépressions, des tourbillons, etc. Je suis toujours ému parce qu'il y a des sites naturels qui sont très beaux, mais en plus, il y a une présence humaine qui est là depuis des dizaines de milliers d'années. Donc, et pour nous, c'est très fort. Dans le Périgord, de nombreux villages ont conservé une particularité qui intéresse Denis Dodemant, architecte en chef des monuments historiques. On arrive à Saint-Géniès, un très beau village qui a conservé la plupart de ses toitures en lauze, contrairement à d'autres régions où c'était remplacé par la tuile. La lauze, elle a cette qualité, elle accroche la lumière. C'est un concentré du Périgord. La pierre, les toitures en lauze, même la structure urbaine, les petites rues étroites. Là, on va passer devant une porte du XVIIe siècle qui est très très belle, avec ses clous forgés. Devant nous, une façade néo-gothique, mais qui se marie très bien avec l'église médiévale. Denis Dodemant dirige la restauration de la petite chapelle romane du village. Elle a conservé son toit de pierre à travers les siècles. Les artisans lauziers achèvent aujourd'hui la couverture du auvent. Thierry Chapouly ajuste chaque pierre grâce à une technique ancestrale. Le façonnage se fait au son de la pierre. Enfin, vu comme elle sonne, vous voyez, là, si on entend, elle va casser, là. Si je continue, voilà. Déjà, la pierre ne se taille pas sur un bout de bois, elle se taille sur le genou, sur la cuisse, de manière que sur la cuisse, c'est souple et elle encaisse beaucoup plus les coups. C'est là qu'on fait résister la pierre. Après, si on la tape n'importe comment, elle va casser. Il y a un sens quand même de... Voilà. Et les coups de marteau, c'est des coups bien, bien,
bien sec et bien, voilà, pas des petits coups. Hein. On resterait des heures, il y a une musique qui est super, là vous entendez pas un outil mécanique, pas un moteur électrique, donc on ne peut pas faire plus écologique. Hein. Et paradoxalement, malgré le faible investissement énergétique, eh bien, on a quelque chose de très très durable. C'est-à-dire que là, on est bien au-delà de la garantie d'un bâtiment aux normes actuelles. On est sur une centaine d'années ou plus. Depuis le XIVe siècle, les toits de la chapelle de Saint-Géniès ont toujours été restaurés en lauze, malgré l'usage de la tuile ou de l'ardoise, plus facile à travailler. En Périgord, on a conservé cette tradition. Mais partout ailleurs, c'était pareil. On cherchait les matériaux qu'on avait sous la main et de meilleure qualité. Alors simplement, ici on est sur des causses, hein, sur des plateaux calcaires, le matériau, il est très disponible. La profusion de pierres de bonne qualité a aussi permis la transmission du savoir-faire des artisans dans la région. C'est mon papa qui m'a formé, mon grand-père faisait déjà ça, et là j'ai mon fils qui reprend l'entreprise, là, et voilà. En fait, il est la quatrième génération de l'osier à Saint-Géniès. Alors, c'est très important d'avoir un fils avec soi qui travaille et qui reprend. On est un peu fiers parce qu'on travaille sur des monuments quand même pas historiques, tout ce qui est château, église, et c'est la passion aussi de laisser derrière nous quelque chose. En préservant ses toitures, l'architecte protège le véritable trésor de la chapelle. Un ensemble de fresques du XIVe siècle. Ce qui est étonnant, c'est cette architecture qui est réinterprétée par le peintre. C'est-à-dire qu'on a l'architecte, les tailleurs de pierre, qui ont fait une architecture assez simple pour le XIVe siècle. Et puis, le peintre, il en rajoute. Il vient faire ses cadres avec ses polylobes, vous voyez. Il redessine une architecture qui est peinte, qui est factice. Et puis, il joue sur les contrastes, il fait une grande bande dessinée. Ici, on a un décor d'une très grande unité, un lieu exceptionnel. Denis Dodement reprend sa route à travers les villages du Périgord. Quelques kilomètres plus loin, il arrive à Saint-Amand-de-Colly, sur son chantier le plus spectaculaire. On découvre une abbaye fortifiée. Et ce qui est remarquable, c'est la dimension de l'église. C'est une véritable cathédrale romane. Elle est immense, toute couverte en lauze. C'est vraiment très, très beau. Là. On y arrive. Ce qui est exceptionnel et remarquable, c'est les ouvrages de défense militaire. Au XIVe siècle, pour se défendre des pillards, les religieux de Saint-Amand fortifient leur abbaye. À l'entrée de l'église, ils édifient une muraille de 40 mètres, à la manière d'un château fort. Alors, sous la grande arche, on voit des chemins de ronde. On accède, on voit une petite porte. Et au-dessus, trois corbeaux qui portaient une bretèche. La boîte en bois a disparu. Et permettait d'attaquer les assaillants. Et on pouvait leur tirer des carreaux d'arbalète, des pierres. Voilà. C'est modeste comme ouvrage défensif, mais très efficace et en tout cas dissuasif. Ici, on se trouve au-dessus de la toiture en lauze, la plus grande du Périgord, sans doute. Il faut imaginer 25 cm de pierre au faîtage, 60 à 80 cm d'épaisseur en bas. Donc des dizaines et des dizaines de tonnes de pierres qui ont été montées à bras d'homme et qu'on revient régénérer. Ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir travailler dessus. Ça arrive une fois dans la vie. Cinq ans de travaux et des moyens considérables ont été nécessaires pour vérifier chaque élément de cette toiture monumentale. Ici, on voit la charpente et la couverture en écorché. On voit les lattes ou litho, ce sont des troncs de châtaignier qui sont refendus.
est cloué, donc celui-ci est d'origine, on n'a pas besoin de le remplacer, il n'a pas pourri. Et après, toute l'épaisseur de la couverture en lauze, on voit, c'est un millefeuille, avec celles qui viennent caler, c'est-à-dire tenir le toit, et celles qui viennent faire l'étanchéité par-dessus. Celle-ci, là, peut-être, celle-ci, ce serait pas mal. C'est exactement les mêmes techniques au Moyen-Âge. Ils repartent du bas, ils croisent les lauzes, ils viennent les caler, et c'est reparti pour 100 ans. Pour Denis Dodeman, cette restauration a valeur d'exemple pour tout le Périgord. Ce patrimoine de l'eau, c'est très important parce que si on ne le restaure pas, si on ne l'entretient pas, ça tombe comme un château de cartes. Et là, on donne un signal fort en disant c'est possible de le faire. C'est une sorte de challenge impossible. Eh bien, c'est réussi, c'est fait. Et ça, c'est un signal pour des années et des années, des générations et une transmission du savoir-faire. L'architecte quitte Saint-Amand-de-Colly pour se rendre sur l'un des plus beaux monuments de la Dordogne. La cathédrale de Périgueux. Avec son style byzantin, Saint-Front est devenu l'emblème de la ville. Un caractère étonnant que l'on doit à un architecte du 19e siècle. Quand Paul Abadie débute la restauration de la cathédrale en 1852, il s'aperçoit que la couverture en tuiles de l'époque dissimule des vestiges de petites coupoles romanes. Il s'en inspire pour dessiner des toits monumentaux dont il reprendra l'idée pour la restauration de la cathédrale d'Angoulême. Et surtout pour son chef-d'œuvre, le Sacré-Cœur à Paris. Denis Dodeman est en charge de la cathédrale Saint-Front et inspecte régulièrement ses toits. Alors nous nous trouvons au-dessus des couvertures, avec un point de vue exceptionnel sur la ville, et surtout les toitures. Alors, devant nous se présente une architecture étagée. On a un tambour, vous voyez, cette partie un peu verticale, avec des assises horizontales, et puis par-dessus une coupole, hein, un dôme de pierre, surmonté d'un lanternon. Cet élancement vertical qui est, pour le 19e siècle en tout cas, l'expression du sacré, du religieux. Pour l'architecte, c'est la déclinaison du motif de la coupole qui donne à la cathédrale toute son originalité. Alors on a les grandes coupoles qui couvrent les travées de l'église, donc elles sont au nombre de 5, suivant un plan qui est assez peu commun en France, en croix grecque, avec 4 bras identiques. Et intercalés entre ces coupoles se trouvent ces pyramidions. C'est simple dans la conception, 5 coupoles, des petites pyramides intercalées plus petites. Mais alors, ça fait une architecture exceptionnelle et très intéressante, et qui est extrêmement rare dans l'histoire de l'architecture. L'autre caractéristique des toits de Saint-Front, c'est leur couverture de pierre très originale. Ici, on a l'emploi par Abadie des écailles. Des écailles qui sont à l'envers, qui sont dressées verticalement. Quand vous avez des écailles sur un toit en tuiles, les écailles sont vers le bas. Là, elles sont vers le haut. C'est très particulier. Ça donne un certain dynamisme à la forme. Le matériau, c'est de la pierre de taille qui peut faire un lien avec les lauzes. Hein. Alors, cette couverture en écailles est très exceptionnelle par la répétition sur 5 coupoles, sur le clocher. Donc, c'est vrai que c'est un édifice exceptionnel de ce point de vue-là. Les toits de Saint-Front sont si spectaculaires que jusqu'au siècle dernier, ils étaient ouverts à la visite. Une découverte sur la ville que Denis Dodeman souhaiterait pouvoir à nouveau proposer au public. Saint-Front s'avance dans un méandre de l'île, de la rivière. De ce point de vue, elle est comme un balcon. Ça offre des points de vue diversifiés dans toutes les directions sur la ville et les alentours.
pied de la cathédrale, nous avons rendez-vous avec Martine Balou. Elle est responsable du patrimoine de la ville de Périgueux et nous guide vers les passages insolites à l'écart des rues principales. On retrouve au cœur de ce Périgueux tout un entrelacs et lacis de ruelles, de passages qui nous conduisent dans d'autres cours intérieures. Nous nous trouvons ici dans un des plus bels escaliers de la ville de Périgueux, remarquable, d'architecture renaissance, qui s'inscrit dans un grand mouvement de construction à l'époque de François Ier. Ce qui fait la richesse de cet escalier, ce sont les éléments de son décor. Les colonnes qui sont différentes les unes des autres, avec toujours un langage qui appartient au végétal, des oeuvres, et puis l'ensemble des caissons, avec le plus magnifique, celui-ci, Vénus, déposant les armes de la séduction, flanquée d'un Cupidon, et qui serait une sorte de leçon de morale pour la jeune mariée qui allait entrer dans ce logis à l'époque de François Ier. Martine poursuit son périple à la limite de la vieille ville, au bord de la rivière. Elle a rendez-vous dans cet hôtel particulier. Le propriétaire lui ouvre régulièrement sa demeure pour des visites privilégiées. L'hôtel de Fayolle a une situation exceptionnelle puisqu'en fait, il surplombe la rivière. C'est presque un observatoire et on a ces collines. On était pris de nature. Entre le 17e et le 18e, on accueille dans ses demeures des grands voyageurs qui vont écrire, comme George Sand, qui n'arrêtera pas de tarir d'éloges sur les belles demeures de Périgueux au 19e. À l'intérieur, Jérôme Guimbaud, le propriétaire, invite Martine dans le salon de réception, décoré de toiles peintes impressionnantes. Je crois que ces peintures ont été l'élément qui m'ont séduit pour l'acquisition de cette maison. C'est le trésor et la spécificité de la maison. Elle représente la famille qui l'a restaurée et habitée à partir de 1894 ici. La toile principale figure une scène de bal dans un décor qui évoque la terrasse de la maison, ses balustres et la découverte des collines de Périgueux. Celle-là est une des plus intéressantes de la maison puisqu'elle représente la propriété telle qu'elle était en 1894 et qui montre le paysage de Périgueux à l'époque où la rivière n'était pas diguée et où on voit de manière très romantique cette eau venir effleurer les berges. Martine Balou nous entraîne à présent sur les berges de l'île, la rivière qui borde Périgueux. Alors à travers les arbres, ce que l'on aperçoit, c'est un monument très, très singulier. En fait, c'était une loge de guet qui était inscrite sur le rempart lorsque la route n'était pas tracée. Le chemin de halage, aménagé en promenade, est le début d'un vaste projet de remise en valeur des quais de la capitale du Périgord. On a toute une architecture qui se dévoile autrement, comme cet ensemble de maisons dites des quais du 15e siècle et qui est remanié finalement à la Renaissance. On peut le voir avec ces magnifiques lucarnes sculptées et quadrillées à la mode de François Ier. Cette promenade est mon lieu privilégié parce que c'est à la fois on conjugue l'histoire, la nature et puis ce paysage et cette quiétude. Au cœur de la vieille ville,
se tient l'un des plus beaux marchés de la Dordogne. C'est ici que le cuisinier Nicolas Lamstaes s'approvisionne pour élaborer la carte de son restaurant. Là, on est place du Caudère, c'est la place principale du marché de Périgueux. Donc sur ce marché, on trouve vraiment tous les produits de la gastronomie du Périgord. Donc là, on arrive chez Nicolas, producteur de canards avec de merveilleux produits. J'ai toujours vu le canard cuisiner chez moi, des grands-parents qui étaient bouchers et une grand-mère cuisinière qui me cuisinait le canard à toutes les sauces. Je crois que c'est grâce à elle que j'ai fait ce métier. Alors, on a dit qu'il te fallait... Pour ma recette, j'ai besoin d'un foie gras pour faire du foie gras poêlé et pour travailler en sauce, pour ma sauce Périgueux. D'accord. Donc, que me conseilles-tu? Pour moi, celui-ci. Alors, c'est un foie, on va dire, je pense, qui va faire aux alentours de 500-550 grammes. OK. Qui, pour moi, est très correct. Couleur jolie, homogène, qui est ferme, mais pas trop non plus. Au toucher, ouais. Qu'on puisse voir la démarcation du doigt. Après, pour moi, ça, c'est un foie idéal. Parfait, je prends. Pour sa recette, le cuisinier a aussi besoin de magret. On voit vraiment la qualité du magret au premier coup d'œil, par sa couleur. Celui-ci qui est plus rouge, c'est un canard qui aura pris beaucoup moins le gras que ce canard-là. Donc on va avoir une viande qui va être plus ferme, moins souple, moins goûteuse que ce magret qui est ici, qui est plus pâle. Je connais ses conditions d'élevage, il fait de très beaux produits. Au premier coup d'œil, voilà, ça donne envie. Et c'est quelqu'un qui est passionné, qui est amoureux de son métier. Et ça, c'est très important pour moi, pour ma cuisine. Et voici. Bonne journée à vous, au revoir. Le marché est en deux parties. On a la place du Caudère et la place de la Clôtre, donc au pied de la cathédrale Saint-Franc. C'est un des plus beaux marchés de France. Rien que le visuel et que les odeurs, ça donne envie, quoi. C'est un peu mes terres. C'est vraiment un lieu que j'apprécie vraiment. Je me ressource ici. Comme tous les samedis, Nicolas choisit ses légumes sur l'étalage d'Éric Lambert, un producteur de la région. Je vais prendre différentes carottes de différentes couleurs. Mais choisis. Il vaut mieux que tu choisisses. Ouais. Alors moi, ce que j'aime, là, c'est qu'elles sont vraiment toutes difformes. J'aime travailler le produit brut. Et là, on a vraiment un produit extrêmement brut, avec une chair très fine. Donc, limite, on ne les épluche pas. Et on peut les travailler au naturel. Disons qu'on a l'avantage et le désavantage d'avoir un terrain caillouteux. Donc, le terrain caillouteux calcaire nous permet d'avoir des légumes très sucrés. Par contre, les petits cailloux font que les carottes, des fois, sont obligées de les contourner. C'est pour ça qu'elles ne sont pas droites et qu'il y a des petits défauts, voilà, pas de problème. Pour moi, ça, c'est un vrai légume. Alors celle-ci, Nicolas, elle était enlacée avec une autre carotte. Ah ben voilà, donc une amoureuse. Voilà. Une amoureuse. Carotte amoureuse. On cultive de façon très traditionnellement et très naturellement. On essaye de travailler le mieux possible pour que nos clients vivent longtemps. Je tiens particulièrement à travailler vraiment des produits de saison. C'est pour ça que moi, mes recettes, je les crée sur les bancs, quand je vois un produit, j'ai une idée qui vient. Pour compléter son marché, Nicolas s'intéresse à un assortiment de betteraves. La shioga, c'est celle qui peut-être va te servir pour la décoration. Elle est jolie. C'est magnifique. Après, on a la betterave jaune. Pour des décorations, c'est assez sympa. Et la roule traditionnelle, j'ai que ces trois couleurs. Voilà les trois couleurs qu'on a sur le banc. Pour découvrir d'autres producteurs de qualité, Nicolas aime aussi sillonner les routes de campagne des environs de Périgueux. Donc on va chez Laure Pourgeot. Hein. Laure est la fromagère d'exception du fromage de chèvre. D'ailleurs, tous les grands chefs de France et de l'étranger travaillent avec elle. Ben là, on est limite frontière du Périgord blanc et Périgord vert. Donc on voit les différents champs calcaires du Périgord blanc et au loin, les premières forêts du Périgord vert. Donc un Périgord beaucoup plus humide,
beaucoup plus de pâturage et de bovins. Alors moi, je suis amoureux de cette région. Je suis parti bourlinguer un peu partout et je suis revenu il y a quelques années. Et pour rien au monde, je repartirai d'ici. Allez, allez les filles, on va manger des ronces. Allez, allez, on se dépêche. Allez. C'est bon, hein, les filles. Hein. Laure Fourgeau, la fromagère, a quitté les Alpes il y a 10 ans, par amour pour Laurent, qui élevait alors des vaches sur ses terres familiales. Avant, j'étais décoratrice, donc ça n'a rien à voir. Et puis, un jour, au coin de la cheminée, je lui ai dit, oh, en Savoie, je fabriquais du fromage. Comme ça, pour m'amuser, j'étais toujours chez mon voisin, qui avait des chèvres. Et puis, lui, il m'a dit, oh, ben moi, c'est un rêve d'enfant, les chèvres. Et puis, banco, et du coup, il m'a offert 2 alpines, 9 anglo-nubiennes. Et puis là, on a démarré le projet. Et j'ai pris mes études. Il a fallu apprendre aussi, parce qu'on n'élève pas des chèvres comme ça, quoi. Puis elles sont braves. Et oui, nous, on est assez proches de nos bêtes, quand même. De toute façon, les chèvres, quand on s'occupe bien d'elles, elles nous le rendent. En qualité de lait aussi. Pour apporter des saveurs particulières à leur fromage, Laure et Laurent se sont tournés vers l'agriculture biologique. On dit que la chèvre, c'est une grimpeuse et pas une brouteuse. Elle préfère, vous avez bien vu, manger des branches de pruniers, les ronces. Voilà. Quand on est en bio, on a une alimentation beaucoup plus diversifiée. Et ça permet aussi d'avoir un goût de fromage qui va être très varié, suivant les saisons. Allez, on y va. En 5 ans seulement, Laure s'est forgé une réputation gastronomique en fabriquant des fromages qu'elle affine elle-même dans ses caves. Ce qui a fait que j'ai été découverte, c'est celui-là. Voilà. J'ai eu la chance d'être découverte par un chef de renom grâce à mon petit cendré. Je fais mes mélanges de sel et de cendre et je frotte tout à la main. Tous les jours, je les retourne. Il faut faire attention quand tu les soulèves parce que ça colle hein, pour les retourner. Donc, faut vraiment. Délicatement. Il faut y aller délicatement. Voilà, moi, je veux vraiment une belle croûte ferme, mais le coulant sous la croûte. Mes fromages, c'est mes bébés. Et un par un, je les ai façonnés. Il y a un chef qui m'a dit qu'en fin de compte, mon fromage me ressemblait, qu'il avait à la fois de la sensibilité, de la douceur et du caractère. Laure travaille la texture, mais aussi les saveurs. Passionnée de gastronomie, elle réalise dans son laboratoire d'étonnantes préparations. Je vais remplir mon fromage de caviar. Alors moi, je suis généreuse en caviar, parce que je mets 20 grammes de caviar dans mon fromage. Pour créer ce fromage d'exception, Laure s'est rapprochée d'un éleveur d'esturgeon bio de la région. Je suis allée voir le caviar de Neuvic parce que je savais que c'était mes voisins et j'avais jamais pris le temps d'aller faire leur connaissance. Puis on a sympathisé. En général, moi, quand je trouve quelqu'un sympathique, et surtout un producteur, j'ai vraiment envie d'allier son produit avec le mien. On s'est mis à écraser du fromage, il faut le faire, avec du caviar. Et on a trouvé que, bah, en bouche, c'était délicieux, quoi. Mais je dis, bon, écraser, voilà, quoi, il faut quelque chose de précieux. C'est un travail de bijoutier, pratiquement, parce que c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Ça sort vraiment des sentiers battus, c'est vraiment très original, voilà. À table. La visite de Nicolas s'achève par le plaisir de la dégustation du plus beau des produits de l'or. Il faut le couper délicatement, hein, toujours prendre une lame sans dents. Je le mets face à toi. Voilà, le cœur caviar. Tout est dit. Je t'en ai donné un gros bout, hein, peut-être. Bravo. C'est vraiment un fromage cuisiné, parce qu'elle a su associer deux saveurs totalement différentes.
avec subtilité. Et c'est et pour moi, c'est ce que je recherche. Et il faut oser. C'est osé. C'est un fromage osé. Et voilà, c'est vraiment une belle découverte, une excellente découverte. Nicolas reprend la direction de Périgueux. Il rejoint les cuisines de son nouveau restaurant, aménagé sur une barge, amarré au pied de la cathédrale. Le jeune chef doit se lancer dans la préparation de ses magrets de canard, sauce Périgueux. Ça, c'est le foie gras de Nico. Voilà, on va diviser le lobe en deux. Donc, il y a le petit lobe et le grand lobe. Dans la plus grosse partie, Nicolas prépare de belles escalopes à poêler. Donc, comment on reconnaît un bon foie gras? C'est à sa perte de graisse. On voit que le foie gras est quand même magnifique. Là, il ne perd pas énormément de gras. Le magret est rapidement saisi. La meilleure façon de manger un canard, c'est la cuisson rosée. Plus il y a de sang dans une viande, meilleur elle sera. C'est le sang qui donne le goût à la viande. Là, on n'est pas trop mal. Le reste du foie est destiné à la réalisation de la sauce Périgueux. Voilà. Là, on commence à avoir des petits bouts de foie gras colorés. Voilà. Là, c'est super. J'ai faim. Et ensuite, on va déglacer au Porto. Et là, on rajoute le jus de canard. Donc, c'est pas un fond de canard, c'est un jus de canard. Logiquement, la sauce Périgueux, on l'a fait avec du jus de veau. Le jus de canard, c'est vraiment une touche personnelle. Voilà. On est pas mal. Pour accompagner le canard, Nicolas a réalisé une jardinière de petits légumes du marché au pistou. Le magret sur l'assiette. C'est une chance de travailler des produits nobles comme ceci. C'est vraiment... on est chanceux. On travaille beaucoup, mais à la fin, quand le client ressort avec le sourire, c'est qu'on a gagné. Retour dans la vallée de la Vézère. Un des plus beaux cours d'eau de la région, qui borde le village de Saint-Léon. À bord de cette barque, Jean-Michel Delcourt a invité son ami Jacques Durand. Les deux hommes partagent une passion pour les charmes de la rivière. Les gens qui pêchaient sur la Vézère, ici, ils essayaient de se déplacer de façon furtive, sans faire de bruit. Alors donc, ils ne sortaient pas la pagaie de l'eau du tout. D'abord, il mettait la main entre le bois et le manche, la pagaie. Mmh, il la laissait dans l'eau, il remontait comme ça, il pagayait. Il pagayait. Un coup comme ça, et là, il fait grand silence. C'est très sentimental, vu que c'est un petit peu ma rivière, entre guillemets. Mon grand-père m'a acheté une toute petite pagaie quand j'étais enfant, et c'est ici que j'ai commencé à naviguer dessus, donc j'y suis très attaché. Jacques, l'ami de Jean-Michel, est originaire de Nice. Mais il y a 10 ans, il est tombé amoureux de la Vézère, dont il connaît tous les secrets. «
Alors ici, on a une petite particularité botanique. C'est ce qu'on appelle les capillaires des murailles. Ce sont des plantes assez rares, hein, qui poussent dans les murailles, dans les murs de châteaux, mais aussi dans les sols calcaires, dans ces falaises calcaires, qui sont nourries parce que le sol, le calcaire, est poreux. Et ça donne une espèce de végétation assez majestueuse, avec ses lierres un petit peu sur les côtés aussi qui pendent comme ça, c'est très très bien. Un peu plus loin, la barque de Jean-Michel et Jacques arrive à l'approche du château de Belcaire, un des plus impressionnants de la vallée. Le Léperon de Belcaire, c'est toujours un émerveillement, c'est toujours tellement spectaculaire. Ce château, c'est un trésor architectural de la Vézère. C'est un château médiéval qui a été construit sur un éperon rocheux, restauré ensuite au 19e, mais qui est vraiment d'une beauté. On a l'impression d'être sur un bateau, sur la proue d'un bateau quand on est là-haut. Donc la fonction de ce château, c'était essentiellement une fonction défensive et de protection. Il y a cette tour qui est vraiment typiquement médiévale, et derrière, vous voyez le corps de logis. Et là-dessus, il y avait le château, on voit en fait la tour de ronde avec les mâchicoulis. Et dessus, ils ont construit un bâtiment avec un toit en ardoise qui est absolument sublime. Moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que le temps s'arrête. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai l'impression que si on était venu 2 siècles auparavant, peu de choses auraient changé. Les arbres seraient un peu moins développés, etc. Mais cette nature, cette beauté, je dirais, immuable, universelle. Donc c'est pour moi toujours un plaisir, ce calme, ce silence, ce bruit de l'eau. Je pense qu'on a toujours besoin de ce bruit magnifique de l'eau pour écouter cette poésie de l'eau qui est fabuleuse. C'est pour ça que tu fais très peu de bruit en pagayant, alors. C'est ça. C'est pour ça que je te laisse ramener. Oui, oui. D'ailleurs, tu pouvais ramener un peu plus vite. Après 2 heures de navigation, la barque est de retour à Saint-Léon-sur-Vézère. Car Jacques a rendez-vous dans son château avec Xavier Pagazzani, chercheur au service régional du patrimoine. Alors, la principale caractéristique du château de La Salle, c'est cette superbe tour maîtresse avec cet appareil de pierre de taille et ses contreforts plats, caractéristiques de cette période, 13e siècle, plutôt une première moitié de 13e siècle. Et puis, guerre de 100 ans, destruction, et là, on bâtit cette tour d'escalier circulaire qui dessert tous les niveaux et puis, surtout, ce superbe chemin de ronde. L'aspect défensif, c'est bien sûr les mâchicoulis en premier. Donc, ce sont ces espacements qui permettaient de projeter des éléments au pied de la tour. Et puis, bien sûr, les multiples ouvertures de tir. C'est sous le toit en pierre de la tour que se cache la particularité de l'édifice. Cette charpente est exceptionnelle. En fait, contrairement à l'habitude, elle ne repose pas sur la maçonnerie, comme vous pouvez le voir ici. Le toit est complètement dégagé de la maçonnerie. En fait, la charpente repose sur ces pans de bois, ici, et notamment sur ces énormes poteaux d'angle que vous pouvez voir. Une charge énorme, puisque nous avons affaire à une charpente couverte en lauze. C'est du bois, ça vit. Ici, c'est fissuré, mais c'est pas. Chaque tenon est toujours là, les mortaises sont là. Quelques bois ont été changés. On vit en permanence au contact avec la pierre, les murs. Et c'est ce qui est magnifique dans cette tour, c'est le bonheur qu'on a, c'est de vivre vraiment en communion avec la nature. Ah, ce château, je l'aime depuis le début, ce château. J'en suis amoureux. C'est mon bébé, c'est ma maîtresse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a un charme fabuleux. Chaque fois que je viens ici, je me dis. On n'est plus le même homme, on n'est plus pareil. On a le poids de l'histoire sur ses épaules. Et je me dis, eh ben, ici, je suis un gardien. Je suis le gardien du château. Je suis pas le propriétaire, je suis un gardien. Et j'essaie, et je fais en sorte de conserver, de sauvegarder ce patrimoine. À l'occasion de la fête du pain de Saint-Léon, Jacques ouvre grand les portes de son château pour recevoir les villageois qui viennent partager un moment de convivialité. S'il n'y a pas de vie dans un château, ça ne sert à rien. Autant vivre dans une petite maison. Voilà, un château, c'est fait pour que ça vive, qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens, et que, voilà, qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Bah, c'est exceptionnel, ouais, parce qu'on rentre dans un cadre. Ça fait 15 ans qu'on passe devant ce manoir et on ne peut pas rentrer. Et puis là, on rentre
On mange du pain, un super bon pain fait dans le coin, c'est super, avec des amis. Que ce soit ouvert, c'est l'opportunité, pour même pour les gens du village, justement, de venir à l'intérieur, de discuter. C'est des moments précieux, je trouve. De pouvoir rentrer chez lui comme ça, ça c'est vraiment une ouverture pour tout le monde. Allez. À la santé des boulangers. À la santé. Michel, Robert. Santé. Santé à la convivialité. Xavier Pagazzani prend maintenant la route de la vallée de la Vézère. Depuis 5 ans, il réalise ici l'inventaire du patrimoine architectural. On arrive sur la Vézère, sur les berges de la Vézère, avec le site de la Roque Saint-Christophe, avec sa haute corniche de pierre calcaire qui domine le fond de la vallée. Nous sommes à 15 km des grottes de Lascaux et des nombreux sites étudiés par les historiens depuis plus de 100 ans. Les périodes préhistoriques sont très bien connues dans la vallée de la Vézère. Elles sont même beaucoup mieux connues que les siècles les plus proches de nous. Et c'est pour justement rééquilibrer un peu les choses que nous avons lancé cette opération d'inventaire. L'historien gagne à présent les hauteurs du plateau à la découverte d'un patrimoine rural très préservé. Nous arrivons dans le bourg de Fanlac, joli petit bourg médiéval. Vraiment, il a gardé tout son charme, toute son authenticité. Ces petites ruelles étroites, son puits, son presbytère et bien sûr son église. Une église qui est en bout d'éperon. D'habitude, c'est un château qui occupe l'éperon. Là, c'est une église qui est le centre de peuplement de ce village. De retour dans la vallée, Xavier Pagazzani passe devant le château de Sauveboeuf, bâti au XVIIe siècle, sur la rive droite de la rivière. À la Révolution, il était la propriété de la famille de Mirabeau. Un peu plus loin, en suivant la Vézère, le conservateur arrive au château de Losse. Ces jardins remarquables, de style Renaissance, ont été entièrement dessinés et plantés au XXe siècle. Une création récompensée par un classement comme authentique monument historique. Les éléments caractéristiques de ce jardin du château de Losse, c'est le rapport entre le végétal et le minéral, entre le jardin, donc où nous nous trouvons, et l'architecture du château. Et les deux se répondent ici donc par la création d'une fenêtre qui est tout à fait dans l'esprit des jardins de la Renaissance. Même chose, plutôt qu'une haie rectiligne, on a créé ces volumes, ces contreforts qui, là encore, répondent finalement au volume de l'architecture du château. C'est d'ici que l'on comprend mieux le double visage du château. Cette ouverture sur la Vézère qui coule à ses pieds, et puis cet aspect de fortification, de forteresse, avec ses tours d'angle, ses mâchicoulis, et enfin ses larges fossés profonds. À l'intérieur, le château a conservé ses décors du XVIe siècle. C'est la plus belle pièce du château. Nous rentrons dans ce qui devait être la chambre du seigneur, Jean de Losse, et où se développe cette cheminée monumentale de l'époque de la Renaissance. Et au sol, nous découvrons
ce magnifique pisé qui est caractéristique de la région du Périgord. Ce sont ces petites pierres calcaires qui sont disposées pour former ici des rosaces, comme une tapisserie au sol. Nous prenons à présent la direction de l'ouest de la Dordogne. Un paysage de collines, rythmé par les cultures et les pâturages. Nous sommes en juillet. C'est le début de la récolte pour Frédéric Prado, au volant de sa moissonneuse. Les moissons, c'est un très très beau moment qui concrétise tout le travail qui a été fait sur une année. C'est un moment plein d'effervescence. Moi, ça me renvoie aux moissons avec mon grand-père. Gamin, je suivais la moissonneuse et c'était un moment plein d'émotions. Après des études scientifiques, Frédéric Prado choisit finalement de reprendre les terres familiales. Quand je me suis installé, donc en 2002, pour moi, c'était une évidence de démarrer en bio. Bon, je pense qu'il y a aussi une histoire de génération. On est une génération qui est plus sensible à l'environnement. Voilà, donc acheter des pesticides, c'était pas concevable. Frédéric choisit aussi de planter des céréales rustiques, adaptées aux techniques de l'agriculture biologique. Alors ça, c'est du blé rouge de Bordeaux. C'est des blés qui sont peu productifs par rapport à l'agriculture conventionnelle. Mais c'est des blés qui sont aussi très peu exigeants. Il n'y a aucun engrais, forcément aucun pesticide. C'est un blé que je cultive vraiment pour sa valeur gustative. Chaque jour, Frédéric observe ses plantes pour déterminer le moment précis de la récolte. Alors, les épis qui sont bien mûrs, c'est des épis qui font le coude, donc ils sont courbés vers le bas, ce qui en plus les protège de l'accès d'eau. Donc c'est des épis qui sont comme ça, assez longs, qui sont assez fournis en graines. Le meilleur test pour savoir s'il est mûr, c'est de le goûter. Donc c'est en fait, on défait un épi et on regarde si le grain craque bien sous la dent. Et c'est le cas, donc il est mûr, on va pouvoir les moissonner. Par passion pour cette terre, Frédéric ne se contente pas de cultiver des céréales. Depuis 10 ans, il réalise aussi lui-même ses farines. Il s'est formé au métier de meunier et a remonté dans sa grange un authentique moulin des années 50. Allez, 1, 2, 3. Une mécanique exigeante, voilà, qui nécessite beaucoup d'attention. D'accord. Cette pierre, c'est une pierre en silex meulier. C'est une des rares meules en silex qui est encore en fonction en France. Régulièrement, Frédéric doit démonter ses meules pour nettoyer les reliefs de la pierre. Cette meule-là vient recouvrir celle-ci. Donc on va régler un écartement entre les deux meules de façon très précise. Et on va introduire le grain par là, du coup, qui va tomber au milieu. Le grain va être broyé grossièrement au centre. Voilà. Et plus on va se diriger vers la périphérie de la meule, plus il va être broyé fin pour vraiment finir en farine ici. Allez, doucement, on attend. Allez. L'homme écrase du grain sur meule depuis des millénaires. Alors, travailler sur meule, pour moi, c'était très important parce que c'était vraiment reprendre l'histoire de la meunerie. La pierre est en place, donc elle va tourner sans problème sur son axe. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre du blé dedans. Pour moi, c'est un immense plaisir dans ce moulin, à chaque fois que je le démarre. Ça, c'est quelque chose d'incomparable. Cette farine, elle est belle. Elle est belle, elle a sa petite couleur crème, qui est la caractéristique des farines de meule. Elle est très fine,
Donc voilà, on a une farine qui est au toucher et j'ai envie de dire presque très sensuelle en fait. Et on a la totalité du germe, donc le goût, parce que le goût des farines est vraiment dans le germe. Voilà, j'essaie d'être loin des standards de l'industrie, d'une grosse production. Je produis la farine que j'aime et à mon échelle. C'est fabuleux. En plus, les qualités de farine sont largement au rendez-vous de ce qu'on imaginait. Donc voilà, c'est parfait. C'est vraiment, moi, c'est un métier qui m'anime. Je pense que j'ai été fait pour ça. Frédéric moule lui-même la totalité de sa production et assure aussi la vente de sa farine à une dizaine de boulangers de la région. Des artisans qui viennent souvent eux-mêmes au moulin chercher chaque semaine quelques sacs de cette farine fraîche d'exception. Patrick Vinchon est boulanger depuis 35 ans. Alors, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui? Je vais prendre ça, la 65, et puis un sac de 80. Ouais. Bon, ben, impec. T'as les enfants à l'arrière. Ça va aller? Fred, là, depuis qu'il a monté ses grosses meules de pierre, là, je travaille pratiquement à 95% toute sa farine. Quoi. En meunerie, en général, hein, une farine, c'est au moins une dizaine de blés mélangés les uns avec les autres. Et ben, lui, il fait une farine avec un seul blé, c'est exceptionnel. Hein, c'est... J'ai jamais vu ça nulle part, quoi. Il arrive à faire une farine qui est vraiment... Ouais, il n'y a même pas de mots pour définir sa farine. Petit-fils de boulanger, Patrick est originaire de Picardie. Il s'est installé en Dordogne il y a 20 ans, par amour pour la région. J'ai trouvé une petite maison et puis tout de suite, voilà, ça m'a plu ici. C'est beau, hein, c'est une belle région. Avant, j'avais une boulangerie avec des employés où je travaillais comme un cinglé, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'était de la folie, quoi. Et puis, j'ai fini par construire mon fournil dans la grange, construire mon four à bois et ça me permet de vivre. Ça, c'est un pétrissage à la main. Quand j'ai découvert la farine de Fred, ouais, j'ai pleuré devant mon pétrin. Hein. Je me suis dit, c'est un bijou, sa farine. Premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la douceur. La douceur. Le parfum aussi. Patrick façonne une dizaine de pains différents. Il enchaîne ensuite les cuissons dans son four à bois, jusque tard dans la nuit. Pas d'horloge, ni de thermomètre. C'est toute l'expérience du boulanger qui règle la fournée. Là, c'est une cuisson vraiment extra. Parce que ça a quand même pris son temps. Ça fait, je pense, au moins 50 minutes qu'elles sont au four, les tourtes, là. Et elles sont pas noires, elles sont dorées. Ça sonne. Là, les deux tourtes qui sont un peu proches l'une de l'autre. Voilà, ça fait deux tourtes siamoises. Voilà. Ça, c'est le baiser du boulanger. Et bon, parfois, ça colle même davantage. Donc, quand on les décolle, forcément, ça fait un endroit où c'est plus de la mie que de la croûte et il y a des clients qui aiment bien. Voilà. Là, c'est vraiment la récompense, quoi. Comme élever un enfant, quoi, un peu. On fait attention à lui et puis après, on est content de le voir grandir. Ben, c'est exactement la même chose. Au petit matin, Patrick charge les pains encore chauds et prend la route de la ville de Ribérac pour son marché hebdomadaire, l'un des plus importants de la Dordogne. C'est son seul point de vente. Il propose son pain ainsi qu'une grande variété de gâteaux et viennoiseries préparés tout au long de la semaine.
prendre un fainéant. Un petit ou un grand? Un gros. Ce sera tout? Est-ce que tu as des cookies amandes cette fois? Oui. Magnifique. Alors, voilà, je t'ai gardé tes 25 cookies. Son pain est très très bon, donc c'est de la farine bio. Donc ça donne un petit goût particulier, mais qui est vraiment très très savoureux. Merci. Patrick, c'est plus qu'un boulanger pour moi, c'est quasiment un ami, quoi. On met un sac plus grand, comme ça je peux t'en offrir un, sinon ça rentrait pas dedans. Je te remercie. Oui, là c'est la récompense, voilà, c'est vrai qu'on vend les produits. Et puis depuis 18 ans, on est là. Donc les gens nous connaissent par cœur, c'est le cas de le dire, quoi. Voilà, il y a un bel échange. Même en pleine moisson, Frédéric Prado, qui habite à 5 km, ne rate jamais le rendez-vous du marché. Ouais, super beau, c'est pareil, belle hein. Couleur, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. Les viennoises aussi, elles sont jolies, hein. Ouais. Tous les vendredis, effectivement, on vient chercher le pain sur le marché et puis il nous fournit, puis comme c'est un pain qui se garde toute la semaine, voilà, un seul marché par semaine et on est pourvu. Ah, ça c'est magnifique. C'est vraiment ça que j'aime. Une mie légèrement colorée, mais pas trop. Un bel alvéolage, du moelleux, beaucoup de moelleux. Et puis, ah, merci. Pour moi, c'est surtout l'odeur. Hein. L'odeur, forcément le goût qui va avec. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Mais ce qui est fabuleux avec Patrick, c'est qu'effectivement, la boucle se boucle. On arrive au bout, c'est-à-dire au produit gustatif, j'ai envie de dire, même un peu gastronomique, mais à la portée de tous quand même. Voilà, donc là, c'est vraiment l'aboutissement. Ok, merci. Merci, Fred. Merci. À bientôt. À bientôt. Très bien. Faire ce qu'on aime, avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis arriver à en vivre. Voilà, simplement. Ça, le bonheur. Alors, 5 et 10. Bonne journée. When I look at you, I can see your dreams as clear as sunbeams. I can see your dreams as clear as sunbeams. Nous quittons la Dordogne pour reprendre la direction du Lot. Sur la route du plateau, nous retrouvons Sandra, l'animatrice du Pays d'Art et d'Histoire. On est sur le rebord du Cos, et puis on voit bien que le paysage en fait est en train de se découper, donc de descendre vers la vallée. Il y a un étagement en fait, et on voit les prés, la Dordogne qui a tracé son lit, les corniches. C'est magnifique. La variété, la diversité des paysages, c'est ce qui me touche le plus. Et ce qui me plaît, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir, en quelques kilomètres, changer complètement d'environnement. En descendant du Causse, Sandra atteint des villages typiques du Lot. Sur ce territoire, on a énormément de villages en fait, qui sont d'origine gallo-romaine, avec des villages qui vont se finir par le suffixe « ac », comme à Carénac. Donc « ac », c'est le suffixe « acum », ça veut dire le domaine de, en fait. Donc ici, on est dans un village qui s'appelait le domaine de Carénac, Arénius. À l'entrée du village, la route contourne les bâtiments d'un monastère fondé au XIe siècle. La particularité du village de Carénac, c'est vraiment d'être resserré autour du prieuré. C'est vraiment la base du village, avec les maisons qui se développent autour, un peu comme une coquille d'escargot. Pour pénétrer dans le monastère fortifié, Sandra franchit l'unique porte d'entrée. Alors on rentre ici à l'intérieur du prieuré, de la cour du prieuré de Carénac, autour de laquelle en fait, sont concentrés l'ensemble des bâtiments monastiques. Cette église donc Saint-Pierre de Carénac,
elle est particulièrement remarquable et connue à cause de son tympan, en fait, qui date de la seconde moitié du XIIe siècle et qui est magnifique, entièrement sculptée. Si on regarde l'ensemble des personnages, ils sont tous assis dans des positions différentes. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de discuter de manière assez animée, avec des détails vraiment très expressifs. Alors on se trouve ici au milieu du cloître de Carénac. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'en fait, il y a une galerie romane, donc il subsiste juste une galerie de la période d'origine de construction du cloître, avec des arcs en plein cintre, donc des arcs jumelés, et le reste, les trois autres galeries, sont des galeries gothiques, avec un arc brisé et puis des voûtes surcroisées d'ogives. L'une de ces galeries permet à Sandra d'accéder aux chefs-d'œuvre du monastère. Alors, on se trouve ici à l'intérieur de la salle capitulaire, et donc là, on peut voir la mise au tombeau de Carénac avec donc des personnages qui sont grandeur nature. Du coup, ça lui donne quand même un côté assez imposant et émouvant. Cette mise au tombeau, elle date de la fin du XVe siècle. Elle était entièrement polychrome, donc on voit encore des traces de polychromie sur le bras du Christ. Mais malheureusement, en fait, la polychromie a été grattée. La Vierge, elle est en train vraiment de s'effondrer, donc c'est pour ça qu'elle est soutenue par Saint Jean et puis une Marie. Le sculpteur a voulu vraiment rendre en fait cette émotion à travers la sculpture. Donc on voit notamment les doigts de Saint Jean qui passent sa main sous le voile de la Vierge pour rendre ce moment en fait tendre. Sandra poursuit son périple et fait un détour par l'une des routes les plus spectaculaires au-dessus de la vallée de la Dordogne. La route, elle est très sinueuse et donc on se croise difficilement à deux voitures quand même. Hein. Les voies de communication, elles ont contribué à faire la richesse du territoire, surtout cette route qui longe les falaises et qui permet de passer du Cos à la vallée. Là, on arrive au bord de la Dordogne et j'adore prendre cette petite route. Sandra arrive dans une cité fondée au XIIe siècle sur la route commerciale du sel. Martel est appelée la ville aux sept tours. Parmi ses trésors, le beffroi de l'hôtel de ville, inaccessible au public, dans lequel Sandra monte pour la première fois. Cette ville de Martel, je la connais par cœur, parce que j'y ai vécu toute mon enfance. Donc je connais toutes les ruelles, les marchés, son côté médiéval, mais je n'étais jamais encore montée ici. C'est inédit pour moi, donc je suis ravie de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est une ville marchande, donc qui va abriter énormément de gens, de bourgeois, qui vont s'enrichir grâce au commerce et qui vont se faire bâtir des demeures avec des tours. Et les tours, c'est un symbole de prestige à l'époque médiévale. La seule tour qui peut être une tour de défense, c'est la tour Tournemire, qui est une tour du XIIe siècle. À quelques kilomètres de Martel, Sandra Poignon va à la rencontre d'une association qui se mobilise pour sauver les vestiges du château de Taillefer, un gardien de la vallée de la Dordogne. C'est extrêmement important que les associations se mobilisent pour du patrimoine comme celui-là, parce que ce château en fait n'est ni classé ni inscrit, donc il est d'autant plus fragile que il n'a pas de mesure de protection. Donc le travail que fait l'association est vital en fait pour un monument comme ça. Quand on arrive ici, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la vue qu'on peut avoir à 180 degrés. Donc on est posé en fait sur le rebord du Cos de Gramat. On voit la Dordogne à nos pieds et puis ensuite tout le paysage qui s'étend devant nous.
Ce château, vraisemblablement, contrôlait un port sur la Dordogne, qui était un port pour le commerce du sel, un port et sans doute un chemin. Voilà, on est une dizaine à peu près à travailler, à nettoyer les lierres sur les parties basses. On s'en tient à ce travail-là parce que les parties en élévation sont déjà plus à risque, donc ouais. On ne peut pas trop intervenir, mais ça permet de dévégétaliser correctement le site. Voilà. Marc Calès a créé l'association il y a 2 ans pour sauver ce patrimoine remarquable. Le château Taillefer a un fort intérêt architectural. Il n'a sans doute pas été modifié depuis le XIIIe siècle. Donc on a beaucoup de chance. On le découvre voilà, sans restauration, complètement vierge et avec tous ces murs qui sont encore, même s'ils sont abîmés, voilà, qui n'ont pas été transformés au fil du temps. Donc on a une première partie ici, effectivement, habitation. Il y avait un plancher en partie haute et des cheminées au-dessus, on les voit encore aujourd'hui. Et une partie qui est orientée au sud, l'endroit effectivement où le risque pouvait venir par rapport à des assaillants éventuels, où on a une partie qui est fortifiée avec des trous d'arbalète et une chambre forte qui permet de se prémunir effectivement des risques extérieurs. L'endroit, il est beau comme il est. C'est un côté mystérieux parce que l'histoire, on ne la connaît pas et c'est des hypothèses aujourd'hui. Et ce mystère-là fait partie du site et fait partie de la beauté du site. On a débuté un travail là pour nettoyer cette partie naturelle au niveau de la petite falaise là, qui domine le village de Gentrac. Mm-hmm. Et donc, voilà, des membres de l'association travaillent en bas. Parmi eux, le maire de la commune. Ce château, il est apprécié de tous. Il est connu par beaucoup de gens qui viennent s'y promener. C'est un peu le rendez-vous des amoureux. C'est la balade du dimanche. Donc c'est quelque chose qui a du sens pour les gens ici. Et je suis content que les gens se rattachent à l'association. Ça crée du lien. C'est un attachement aussi des gens de la commune à ce château. Une réappropriation, en fait, de ce lieu. C'est important, ces rassemblements, cette envie de remettre le patrimoine en valeur. C'est une rencontre, parce que Gentrac est un village petit, et ça met un petit peu d'animation, de convivialité, c'est important aussi. Plus au sud du département, au détour d'un méandre du Lot, apparaît l'Arnagol. Un village bâti autour de son château du XVIIIe siècle avec des jardins en terrasse. On va mettre devant la chèvre, là. Ce matin, le portail qui permet d'accéder au jardin retrouve sa place d'origine. Yes. Doucement. Oui, allez directement, t'as raison. Il faut encore le pousser un peu plus si tu peux. Pas ouais. Nickel. Ça passe là. C'est voilà. Passé. Voilà, bon, on va laisser comme ça. C'est Étienne de Froment, un compagnon ferronnier de la région, qui a été chargé de cette restauration. Bon, il y a un travail artistique et en même temps, c'est une mécanique de précision. C'est un travail quand même qui était intéressant, surtout au niveau du fronton. Je me suis amusé à restaurer tout ça. C'est vrai que c'est délicat de restaurer quelque chose qui a été fait il y a 250 ans à peu près. Bah de retrouver les manières de travailler de cette époque-là, ça. C'est un moment symbolique et important. Et on retrouve la maison telle qu'elle devait être il y a 3 siècles. Michel Comte et son mari restaurent le château pour ouvrir des chambres d'hôtes. Dans le jardin, ils ont aménagé un potager d'agrément. C'est un plaisir d'avoir ses propres légumes bien frais, bio. C'est un jardin qui est tout autant vivrier que un jardin ornemental. Initialement, le jardin potager, il devait pas être là parce que c'était quelque chose de plus subalterne et il devait plutôt être sur les terrasses. Le long de la falaise, à 100 mètres du château, coule la source qui alimentait le domaine jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est la source qui dictait beaucoup de choses. Il n'y aurait pas de jardin s'il n'y avait pas eu cette source. L'eau, elle sort de la roche dans une faille, elle atterrit dans un premier bassin,
Et ensuite, par cascades successives, elle descend dans 3 autres bassins. Si les jardins sont aujourd'hui terminés, à l'intérieur, les rénovations continuent. Les décors de l'entrée sont toujours en travaux, mais les gypseries du salon d'apparat viennent tout juste d'être achevées. Elles encadrent un ensemble remarquable de 8 toiles. On va l'installer, donc on s'y met les deux. Comme ça, hein. Ouais. On y va doucement. On y va doucement. Ce matin, la restauratrice et son assistant viennent repositionner l'une de ces œuvres à laquelle ils ont redonné tout son éclat. Ah oui, les couleurs. Ah oui. On la découvre, puisqu'on ne l'avait jamais vue comme ça, puisqu'elle était très sale, très noire. Le tableau, il a complètement repris vie, le cheval, le drapé rose. J'aime bien cette harmonie de rose et vert, c'est presque à la mode. Pour Michel Comte, l'accrochage de la toile est une étape importante. Progressivement, on voit la réalisation de notre projet qui avance parce qu'on est passé par des moments quelquefois difficiles. La maison était en très très mauvais état, il y avait énormément de choses à faire. Donc une fois le gros fait, c'est-à-dire les toitures, les charpentes, les fenêtres, etc., les décors, c'est quand même ce qui est le plus attrayant. Il y a un gros travail de remise en vie, plutôt que de dire en valeur, de remise en vie de tous les détails. Et cette pièce est une des celles qui est le plus aboutie. La restauration met en évidence un détail étonnant qui prouve que ces toiles ont été retaillées pour s'insérer dans les décors de plâtre. Elles ont été adaptées à ce salon dans la mesure où l'on voit que la chasse a été coupée. On a mi-corps de chien et le troupeau de têtes qui emmène la chasse n'est pas visible. D'où viennent-elles? Ça, nous n'en avons pas... n'avons pas trace. C'est une toile de belle facture. Quand vous voyez la façon dont les choses sont traitées, peintes, etc., on voit qu'il y a une habileté manuelle. La pâte est là. Elle prend bien la lumière, elle a sa place, donc c'est un pas supplémentaire dans la progression de la restauration de cette pièce. C'est un grand plaisir de voir renaître quelque chose. C'était le projet quand même. Hein. Le château est maintenant prêt à accueillir ses premiers hôtes. Nadine Darson, de l'Office de tourisme du pays de Figeac, vient visiter les lieux et découvrir l'hébergement que propose Michel. Donc là, c'est la cuisine d'origine de la maison. C'était une pièce domestique, d'ailleurs, dans laquelle, je pense, les propriétaires rentraient peu à l'époque. C'était une pièce subalterne pour les domestiques. Devant la fenêtre, un grand évier du XVIIIe siècle, typique du Quercy, a été conservé avec sa particularité. Une faible hauteur qui permettait de faire la vaisselle assis. La visite se poursuit au premier étage, où se trouvaient les chambres nobles. Donc voilà notre première suite, donc l'antichambre, qui est un salon privé, d'accord, donc destiné aux hôtes. On est à un territoire avec de magnifiques villages, très belles bâtisses, et on a un public vraiment passionné, curieux et connaisseur de ce type de patrimoine. Donc oui, on a une demande par rapport à ça, oui. Donc, voici la chambre. Très belle chambre, oui, beaucoup de volume. Hein. Oui, bah oui, c'est haut de plafond. Et une superbe vue sur les jardins en terrasse. Ouvrir des chambres d'hôtes, c'est partager avec d'autres, d'échanger avec eux aussi, parce que de les recevoir, c'est aussi une occasion d'échange avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses, qui ont la même passion du patrimoine. Dans les plateaux calcaires du Lot, l'eau a façonné des formes géologiques étonnantes. Des trésors minéraux qui ont valu au parc naturel des Causses du Quercy d'être labellisé géoparc
par l'UNESCO en 2017. Un territoire sur lequel veille le géologue Thierry Pélissier. Ces paysages, c'est mon cadre de vie depuis mon enfance et je suis intimement lié à ces rochers, à ces falaises, à ces couleurs, à cette végétation aussi, parce que bon, il y a le minéral, mais il y a aussi tout ce qui vit là-dedans. Et c'est vraiment, oui, c'est mon pays. Alors le paysage qu'on a sous les yeux, c'est en fait la vallée du Lot, qui entaille le plateau calcaire qu'on appelle le Causse, et on a vraiment l'interface entre les deux, deux mondes géologiquement différents et culturellement aussi, parce que depuis très longtemps, il y a disons, un conflit amical entre les Caussignols, les habitants du plateau, et les Ribeyrolles, ceux qui habitent au bord de l'eau, en bas. Je suis au départ un homme du plateau, mais mon épouse est de la vallée, ce qui prouve qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente. Thierry nous conduit au bord du canyon de l'Alzou, dans la région de Rocamadour. Un magnifique exemple du travail de l'eau sur plusieurs millions d'années. Ici, la rivière a été suffisamment puissante pendant un certain temps pour entailler petit à petit la surface du plateau et pour donner ce canyon avec ce très très beau méandre qu'on voit ici. Alors, les strates, c'est d'abord quand il y avait la mer autrefois qui a déposé des calcaires différents. C'est le grand canyon local, alors disons qu'on n'est pas à 1000 mètres de profondeur, un peu moins, mais c'est effectivement un élément marquant du paysage des côtes du Quercy. Un peu plus loin, la petite vallée de Louis. Elle présente une autre originalité géologique qui attire les plongeurs spéléo du monde entier. On arrive à un endroit où la vallée est complètement aveugle. C'est-à-dire que voilà, la vallée s'arrête ici, en ce point tout à fait particulier, cette vasque qui est en fait le point de sortie des eaux, ce que l'on appelle une résurgence. Et c'est la résurgence de Saint-Sauveur. Et quand il pleut, alors là-haut, mais aussi à 10, 20, 30 km en arrière, ben l'eau va s'infiltrer, elle descend dans les fissures du calcaire, elle descend beaucoup plus bas que la vasque, elle descend 180 mètres plus bas, et puis elle va remonter pour sortir ici et donner cette petite rivière Louis. Dans le Lot, il y a beaucoup, beaucoup de plongées spéléologiques. C'est la troisième destination au monde pour la plongée spéléo. Mais parmi tous ceux qu'on peut trouver dans le département, dans le Quercy, le site de Saint-Sauveur est quand même un site majeur. Jean-Pierre Couloumi est un plongeur chevronné. Il habite Brive et s'entraîne ici très régulièrement. Ben, disons que je viens en moyenne une fois par mois. Bon, c'est d'abord pour le plaisir, parce que les lieux sont superbes, parce que ce mélange de verdure, d'eau, ciel bleu, soleil, pleine nature, quoi, c'est un côté de liberté qu'on n'a pas partout. Ça, l'idée qu'on est dans l'eau, on est ailleurs, dans un autre monde, quoi. Déjà, on est en apesanteur. Ensuite, la vision de la roche, des formes différentes, de la galerie. Il y a une grotte qui s'enfonce jusqu'à moins 24 mètres de profondeur. Et cette grotte est magnifique parce qu'elle est très corrodée. Et là, on arrive à cette fameuse étroiture. Alors l'étroiture, c'est un petit couloir rectangulaire, on va dire plus ou moins horizontal, qui fait 60 à 80 cm de haut d'un côté. Au niveau de l'étroiture, on se retourne, on voit le jour encore. Dès qu'on a passé l'étroiture, c'est le noir complet. Là, on est en plongée souterraine carrément, quoi. Sous plafond, plongée souterraine. J'adore le coin parce que je le connais depuis très longtemps. C'est un super endroit pour les plongeurs spéléo, quoi. Il y a vraiment de tout niveau. C'est très joli. Pour faire de l'entraînement, c'est bien parce que il y a de la profondeur, il y a de l'eau claire, c'est joli et il y a de la roche. Disons que c'est un ensemble, quoi.
Thierry Pélissier reprend la route du plateau vers le sud, là où apparaissent les curiosités géologiques les plus étonnantes du Quercy, les IG. De gigantesques puits en forme de cirque, qui semblent avoir été creusés comme des carrières, mais qui résultent là encore du travail de l'eau au fil du temps. Et nous voilà donc au bord de l'IG de Craigholz. Donc une espèce d'énorme trou totalement circulaire, un trou à l'emporte-pièce avec toutes les strates bien, parfaitement visibles, et puis deux milieux radicalement différents, le cos là-haut, grand soleil, et puis le fond avec la pénombre et puis une humidité différente de ce qu'on a d'habitude dans la région. Cette IG s'est formée par l'eau qui s'est infiltrée dans les fissures. On voit très bien que la roche est fracturée dans tous les sens. L'eau attaque le calcaire, le dissout, et ça va creuser un vide. C'est du calcaire qui fond dans l'eau, comme du sucre fond dans l'eau, quasiment. Quand le vide est devenu suffisamment grand, à un moment donné, comme une voûte qui perd sa clé de voûte, tout s'est effondré. Mais c'est vraiment à la fin que l'effondrement s'est produit. C'est un des endroits où, tout petit, avec les copains, on venait en vélo, et puis, évidemment, sans se vanter de l'endroit où on allait, on descendait là-dedans et on farfouillait dans les rochers à droite à gauche. Bon, une Madeleine de Proust d'une taille inhabituelle. Avec l'accès n'est absolument pas réglementé pour l'instant, donc c'est quelque chose, tout le monde peut y aller. Par contre, la descente demande quand même d'être vigilant. Bon, il y a une petite corde pour aider le passage, mais c'est vrai qu'il ne faut quand même pas être unijambiste. Thierry descend régulièrement à 40 mètres au fond de l'IG pour s'assurer qu'aucune activité ne mette en danger la fragilité du site. Voilà, l'intérêt de descendre ici, c'est pour le biotope, parce qu'on a un milieu de mousse, de fougères, qui n'existe pas normalement sur le Cos. On a une grosse diversité de mousses. Si on regarde, on a celles qui sont ici, qui pendent sur les branches, mais on en a d'autres. Par exemple, si on regarde ici, on voit très bien qu'on a au moins deux autres espèces. Il y en a une qui est là, avec un port relativement élevé. Il y a celle-là qui a colonisé, en fait c'est un bout de bois mort, mais elle a colonisé dessus. Un spécialiste là-dedans trouverait certainement au moins 10, 15, 20 espèces de mousses différentes. Pendant ce temps, sur le rebord de l'IG, une équipe est à la recherche du plus bel arbre. Cédric Babst-Brocard se prépare à bivouaquer dans ce chêne. J'ai découvert ce site il y a quelques temps avec le conservateur du coin, donc avec Thierry. Et j'ai juste trouvé cet endroit vraiment fabuleux. Et je me suis dit que on va amener les copains pour dormir dans les arbres. Donc je viens ici parce que c'est le parc naturel. C'est un site qui est protégé. Donc en termes d'accès, je suis un grand privilégié. Donc voilà, c'est vraiment dans le but de faire découvrir le parc à un petit groupe d'amis, et tout en laissant ça clair, propre. Salut Cédric. Alors, t'as choisi cet arbre? Pourquoi? Oui, c'était le plus beau du coin, vu que c'est un peu du cos et que les arbres sont pas très, très, très gros. C'était vraiment le plus joli, celui-là. D'accord. Le patrimoine, il est fait pour vivre, il n'est pas fait pour être mis sous cloche. Donc, avoir de l'activité, c'est quelque chose de très, très important. Ça permet aussi aux gens de découvrir et d'être sensibles à la protection en même temps. Et celui qui est monté dans cet arbre dormir, à mon avis, il ne laissera pas traîner ses papiers gras n'importe où. Demain matin, les dormeurs perchés au bord de l'IG émergent doucement dans la chaleur des premiers rayons du soleil. Ah, il est bien chaud là. Et tu as toutes les petites gouttelettes de brume, tu sais, quand t'en bas là. Ouais. Toutes les petites gouttelettes de brume qui volent. Là, c'est super joli, il y a le brouillard qui se dissipe.
On en voit un petit peu sur la vallée en contrebas là, qui reste encore sur le bas de la vallée. On commence à voir les Causses en face, de l'Ozès, tout ça. Et puis du niveau où on a vraiment un prolongement sur la vue jusqu'à, je pense, une bonne dizaine de kilomètres facilement. Et on a Ligue juste sur notre droite là, où on voit les jolies strates de calcaire. La lumière là, de fin d'été, début d'automne, et avec la fraîcheur matinale et dès que les rayons du soleil sortent, on sent bien la chaleur. Le bivouac que j'ai l'habitude, dans les arbres par contre, c'est vraiment une première et c'est une sensation vraiment de légèreté là, suspendue, c'est très agréable. On a bien dormi quoi.